Je vais toucher des vétérans tout de suite. Michel, sixième victoire, j'ai cru entendre. Oui, sixième victoire. Raconte-moi un petit peu toutes ces victoires. Ces victoires, j'irai l'histoire. France du Pays de l'Ouest, elle est arrivée en 1988. La première fois que je suis venu ici, ma femme est du coin, moi je suis de la Vendée, donc elle me parlait du cross du courrier. Je dis, le cross du courrier. Je connais pas courir, je fais du foot et voilà. T'étais non licencié à l'époque? Non, je courais pas du tout, je faisais du foot, je connaissais pas du tout. D'accord. Et je ne faisais pas le milieu de l'athlée, de la course à pied. Et quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu ce public, cette ambiance, tous ces gens qui couraient, ça m'a un petit peu surpris. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et quand je suis arrivé ici, j'avais des yeux énormes. Et je me rappelle, cette première année-là, c'était le matin, il y avait dans le journal que Mustapha Essaïd pouvait gagner, mais personne n'avait vu courir. C'est sa première course et il avait gagné. Alors je pensais à un petit truc, quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu ce que c'était la course et tout, ça m'a donné envie, j'ai dit tiens, faut que je fasse comme lui. Et puis très vite, j'ai vu que c'était pas si facile que ça. Je me dis si un jour je peux monter sur le podium, là le podium c'est les 15 premiers. Donc c'était mon objectif et très rapidement j'ai vu que je pouvais y monter, que je pouvais gagner. Donc c'est vrai qu'une victoire ici c'est génial quoi. Hein. Donc j'en ai eu deux en licencié, une dans la catégorie des As en licencié. Et là c'est ma troisième en vétéran. Même si c'est en vétéran, une victoire ici ça fait toujours énormément plaisir. Alors pour finir aujourd'hui, quel coureur es-tu? Est-ce que tu es un coureur de cross, un coureur de piste, de route? Où va ton cœur? Où va tes préférences? Mes préférences, c'est... J'adore faire du sport. J'adore faire du sport, prendre du plaisir. C'est vrai que j'ai failli arrêter il y a deux ans parce que j'ai été blessé et j'ai eu du mal. Je me suis mis à faire du vélo et là je me suis lancé dans le triathlon. Et il y a un an et demi, je suis allé au championnat de France de duathlon. Je me suis blessé. Là, je me suis cassé trois côtes, double fracture de la clavicule, l'omoplate cassée, une capsule rétractile. Donc j'étais pendant 6 mois sans courir. Donc si fait que l'année dernière, j'ai pas pu défendre mon titre. Donc j'étais absent l'année dernière et j'ai repris cette année avec la natation, le vélo. J'étais vice-champion de duathlon longue distance vétéran cette année. Donc c'est vrai que je peux pas dire que je préfère la route. Je prends un moment de plaisir à faire du duathlon, même du triathlon, même si je suis un mauvais nageur. Donc j'irai aujourd'hui, c'est plus de plaisir, mais
J'irai à la base, je pense que j'étais plus un crossman. Et bah tu l'as prouvé aujourd'hui, hein. Bravo voilà. Jean-Michel. Merci beaucoup.